Du 3 au 9 novembre, en salle du conseil municipal, un coup de projecteur a été mis sur les métiers du sport et de l'animation. Au programme, expo interactive, table ronde, quiz, rencontres et échanges. Alors, ce coup de projecteur, en partenariat avec la mairie de Blanquefort, la mission locale Techno-Ouest et l'EMA Techno-Ouest, est un moyen pour le visiteur de découvrir les métiers du sport et de l'animation de manière ludique, de se mettre dans la peau d'un animateur, et le visiteur pourra par la suite faire son choix et savoir si c'est un secteur d'activité qui lui plaît ou non. Des groupes de jeunes se sont prêtés au jeu et ont testé les différents modules. Durant cette exposition, le visiteur peut voir des vidéos sur ces métiers-là. Il peut aussi se mettre dans la peau d'un animateur socioculturel et animer un atelier où le but est de faire gonfler un ballon et de transpercer un pic sans que ce ballon se dégonfle. Se mettre aussi dans la peau d'un animateur sportif qui doit conseiller sur la diététique. Et par la suite, on finit par un plateau de jeu pour voir si le visiteur a tout bien compris, s'il a des questions aussi à poser par la suite. Et nous, on est là en tant qu'animateur, justement pour pouvoir animer ce coup de projecteur et répondre aux questions des visiteurs. Certains d'entre eux ont déjà passé le BAFA et viennent s'informer auprès des animatrices de la mission locale Techno-Ouest. C'est le cas de Jonathan. Donc voilà, je viens de Bac Pro électrotechnique. Je me suis ensuite redirigé vers le BAFA parce qu'on m'a dit que je devais passer le BAFA avant de passer un BPG, tout simplement. Du coup, le projecteur, ça m'a quand même pas mal aiguillé sur ce que je vais faire par la suite. Je vais quand même attendre du coup le 7, réellement savoir ce que je vais faire, mais oui, ça m'a pas mal aiguillé aujourd'hui. Autour des tables rondes, des jeunes à la rencontre d'intervenants professionnels. L'idée, échanger, répondre aux questions, préciser ses souhaits d'orientation. Je suis animateur jeunesse à l'ABC. L'ABC, c'est la MJC de Blanquefort, donc la Maison des Jeunes et de la Culture. L'année prochaine, là, c'est repasser mon concours en tant qu'éducatrice jeunes enfants. Et à la suite de ce concours, intégrer l'IRTS ou alors trouver un apprentissage. Une semaine d'exposition et de discussion pour aider les jeunes à trouver leur voie.